le monde! Là, ça fait comme une éternité que j'ai pas filmé de vidéos. Pour vrai, on dirait que je me rappelle même plus comment parler. Fait qu'aujourd'hui, je vous fais une vidéo style chit-chat, juste pour vous raconter un peu ce qui se passe dans ma vie, pourquoi je suis absente. Ceux qui me suivent pas vraiment, vous êtes sûrement pas au courant, pas toutes. Mais si vous me suivez, j'en parle depuis quand même un bon petit bout. Fait que si je vais vous dire où est-ce que j'étais, je vais vous dire un petit peu d'update, où est-ce qu'on s'en va avec YouTube, ma cédule, les vidéos que je voulais parler et quelques autres petits sujets importants ou pas tant, là, ça dépend desquels. Donc premièrement, je voulais parler de mon absence, je m'excuse beaucoup, je pense que ça fait, non, pas deux semaines, presque deux semaines que j'ai pas fait de vidéo en ligne. J'en ai deux qui ont été mises en ligne, mais qui étaient déjà comme pré-filmées, toutes planifiées à mettre en ligne. Fait que ça fait comme vraiment longtemps que je me suis pas assise devant une caméra pour filmer une vidéo pour vous. Et puis, je veux dire que je m'en ai énormément, comme c'est vraiment incroyable comment YouTube prend une place importante dans ma vie. Puis c'est là que je m'en rends compte. Puis là, je me rends compte que j'ai genre un poignet de garde-robe, puis ça me gosse un peu, fait que je vais essayer de me tasser. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais partie en vacances parce que oui, j'aime ça prendre des vacances moi aussi. J'étais partie en Gaspésie comme j'ai mentionné dans plusieurs de mes vidéos puis un peu partout sur mes réseaux sociaux aussi. J'étais partie là-bas parce que j'ai beaucoup de familles qui habitent dans le coin de la baie des Chaleurs. Fait que un petit peu à Bonaventure, Parc-Tébiac, Saint-Siméon, c'est pas mal ça. J'ai fait le tour un peu, je suis partie là deux semaines avec mes parents et mon copain Alexis. C'est la première fois d'Alexis qui allait en vacances puis en Gaspésie, je vais dire, là. Fait que c'est vraiment le fun de pouvoir l'emmener avec moi pour voir ma famille parce que moi, ça faisait 4 ans que j'avais pas été là. 4 ans que j'avais pas vu les membres de ma famille que j'aime beaucoup aussi. Fait que ça a vraiment fait du bien. Puis je vous dirais que je suis revenue ici puis j'ai vraiment le goût de repartir parce que je suis comme retombée en amour un peu avec la Gaspésie. Là, j'espère que ma vidéo va pas aller dans un sens puis de l'autre parce que j'ai comme plein de choses à dire, on dirait, mais j'ai comme pas vraiment penser à ce que j'allais dire, là, fait que ça va sortir un peu comme ça se passe. Puis on avait loué un espèce de chalet sur le bord de la mer à Bonaventure, à Saint-Siméon. C'est vraiment collé sur Bonaventure pour ceux qui habitent là-bas. Puis c'est ça, c'était vraiment super, on avait un beau chalet, on marchait à peine 10 pas, on était collé sur le bord de la mer, on avait un beau set patio si on veut. Collé là-dessus, on avait accès à une petite plage, puis c'était vraiment... Ça faisait tellement du bien, ok? Je peux même pas vous décrire. Fait que là, je suis partie là-bas en pensant que, oh, j'ai filmé des vlogs quotidiens et tout et tout et tout pour ma chaîne de vlogs parce que je sais que vous aimez vraiment beaucoup mes vlogs puis j'aime vraiment ça vous en faire aussi. J'adore lire vos commentaires. Fait que j'ai l'intention de faire ça. J'ai l'intention de filmer un lookbook là-bas avec la belle mère en arrière et tout le kit. Mais malheureusement, quand je suis arrivée là-bas, c'est pas que ça ne portait pas, là. Mais je suis quelqu'un, ça faisait 4 ans que j'avais pas pris de vacances. Puis moi, je travaille quand même beaucoup quand je vais à l'école. Puis l'été, je travaille aussi beaucoup. Fait que j'ai comme jamais eu de break, si on veut, aucune pause. Fait que je vous dirais que quand je suis arrivée là-bas, j'ai vu comme l'ambiance qui était super calme, les gens super sympathiques. Puis ça me fait réaliser que j'en avais vraiment besoin. J'avais besoin d'un break, j'avais besoin, mais tu sais, d'un vrai break. Les premières journées, j'ai pris un peu de photos pour comme Instagram, je vous ai tenu un peu au courant sur Snapchat aussi pour ceux qui habitaient là-bas, pour vous sachiez un peu où est-ce que j'étais si vous voulez me rencontrer. Fait que c'est ça, mais quand je suis arrivée là-bas, j'ai comme complètement déconnecté, je vous dirais, puis j'en avais vraiment besoin comme je disais. Fait que je vous ai filmé des vlogs par contre, j'ai presque fait des vlogs quotidiens, je suis pas certaine, sauf qu'il y a des jours que j'ai pas fait grand chose, fait que tu sais, j'ai comme combiné quelques journées ensemble des fois, puis vers la fin, j'ai pas beaucoup filmé, je vais vous dire, fait que j'ai pas fait de lookbook non plus, sauf que mes vlogs, je savais que vous en vouliez vraiment, fait que j'ai pris la peine de les faire quand même. Et puis ça va commencer à être en ligne à partir de demain, je l'espère. Je vais essayer de vous en mettre un à chaque jour en ligne sur ma chaîne de vlog. Puis c'est ça, donc allez vous abonner si c'est pas déjà fait parce que ben, vous voulez pas manquer ce beau paysage là parce que je vous jure là, j'ai comme capté des images que c'est comme fourré dans la tête. Je me suis découvert une passion pour les nuages et la vue sur la mer, je dirais. Ensuite, deuxièmement, c'est ma fête aujourd'hui. Fait qu'on est dimanche le 9 août. Et puis je suis très gentille parce que je vous filme le jour de ma fête. Ce matin, j'étais avec mon copain. Puis là, j'ai comme un petit souper avec du sushi ce soir. Puis après ça, j'allais voir une couple de mes amis. Là, il y en a beaucoup qui travaillent, c'est plat. Enfin, je pourrais pas tout le temps les voir que ça. Mais je vais en voir quelques-uns, je crois. Sinon, on va les voir. On va faire ça un autre bon coup la semaine prochaine parce que je viens d'avoir 21 ans. Je suis légale partout au monde, je crois. En tout cas, aux États-Unis, là. Fait que c'est vraiment hot.
Fait que c'est ça qui m'a fait aujourd'hui, je suis vraiment contente. Puis quand c'est ma fête, je me sens comme un enfant parce que je suis comme toute excitée là, fait que c'est ça. Puis merci beaucoup à toutes vous qui m'ont envoyé des messages, Facebook, Twitter, puis j'ai reçu comme énormément de Snapchat bonne fête là, c'est incroyable, je vous remercie beaucoup, vous étiez vraiment pas obligés. Prochain sujet, ma série Back to School, fait que là, c'est ça. Je sais pas encore si je vais en faire une parce que, ben là je rentre à l'université. Puis je sais que beaucoup de mon public, c'est vraiment plus des gens comme qui rentrent au secondaire ou qui rentrent peut-être au cégep aussi. Puis c'est comme vraiment pas le même mode du tout, comme vraiment pas. Tu sais, je pense pas vraiment m'acheter de comme gros cahier de notes parce que je prends mes notes à l'ordinateur. Fait que je sais pas trop encore, comme j'aimerais quand même ça faire peut-être un petit haul de mes fournitures scolaires. Peut-être aussi un lookbook, là, j'aimerais tellement ça, mais il me faut quelqu'un pour m'aider à filmer. C'est comme vraiment urgent mon affaire, là. Fait que c'est ça, puis peut-être aussi encore une vidéo organisation de mon agenda parce que j'en ai fait une, je pense que 2 ans, comme mon organisation de mes cahiers, mes cartables, mon agenda, vraiment tout. Puis j'ai tellement eu de bons commentaires, puis même encore cette année, j'ai reçu beaucoup de commentaires puis des questions par rapport à cette vidéo-là parce que vous l'aviez vraiment beaucoup aimée. À ce qui paraît, j'étais claire, nette et précise, fait que c'est ça mon but, je suis vraiment contente. Mais là, ça va peut-être un peu changer, je suis pas trop certaine. Fait que je vais peut-être refaire comme un update, j'aimerais vraiment ça. Puis voilà, ma série Back to School. Prochain sujet, on est rendu 13 000 sur ma chaîne YouTube principale. Je ne comprends rien du tout parce que j'ai vraiment stagné là, dans... Je sais pas si c'est ça le mot, mais en tout cas, je me suis comme vraiment ralentie dans le vide de YouTube depuis quelques temps. Avec l'école, l'été, je voulais full filmer, mais là, finalement, il fait comme tellement pas souvent beau que quand il fait beau au Québec, on veut aller dehors, on veut en profiter. Puis sinon, je travaille quand même beaucoup aussi, fait que je manque un peu de temps, je vous dirais. Puis, tu sais, c'est l'été pour moi aussi, là, j'aime ça en profiter, puis pas non plus être tout le temps dans ma chambre en train de filmer des vidéos quand il fait chaud, parce que là, maintenant... Il fait 22 dans ma chambre, puis j'ai comme une grosse lumière, puis c'est vraiment étouffant. Fait que c'est ça, j'ai un peu arrêté, là, mais là, faut juste que je retrouve un petit peu ma motivation. Pas que j'ai plus de motivation, mais faut juste que je me remette comme dans une routine, parce que j'ai plus vraiment de routine du tout. Pour retourner à mon sujet que je parlais, on est rendu 13 000 abonnés sur ma chaîne YouTube, je ne comprends pas, parce que là, ça faisait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo YouTube. Puis d'un coup en Gaspésie, un moment donné, j'ai juste regardé puis comme j'étais rendue à comme 13 600, ce que je comprends vraiment pas parce que j'ai rien posté, fait que je sais pas ce qui est arrivé. Mais merci beaucoup, bienvenue aux nouveaux abonnés, j'espère que vous allez quand même apprécier mon contenu. Je suis vraiment contente, en partant de ma chaîne YouTube il y a comme quelques années, je pensais me rendre à 100 peut-être, jamais à 13 000. C'est vraiment excitant là, je vous dirais, tout ce que vous m'apportez c'est tellement gentil, je vous compte comme mes meilleurs amis. Vous êtes comme je pense pas que je serais rendue où est-ce que je suis maintenant sans vous. Et puis c'est vraiment tout ce que je vais vous dire, c'était juste une petite vidéo blabla vite fait, j'espère que ce sera pas trop long non plus. Je vais juste vous informer de ce qui se passait, fait que je vous dis juste d'aller vous abonner à ma chaîne de vlog encore une dernière fois parce que là vous allez voir mes vlogs de Gaspésie, puis je vous jure c'est pas à manquer, c'était vraiment super le fun, fait que je vous invite à aller voir ça. Et puis sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo très 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 bientôt. Donc, bye bye!